Ok, donc Bidrat Hashem, donc on est à Daf Samertet, donc à Shiul et Unishmat. Yaakov, Avram ben Yaakov Alimi, Gad ben Esther, Moshe ben Rachel, Mordechai, je pense. Donc pour la Slacha de tout le monde. Alors on y va, donc on, je vous remets dans le contexte. On a noté, on était en train de voir les sources dans les psukim de la fameuse halakha qu'on a vu depuis plusieurs dapim, à savoir que si jamais une personne une personne qui est psula, donc comme on avait expliqué par exemple quelqu'un qui est mamzer ou toute relation interdite on va dire, elle rend la femme inapte à manger de la terouma si elle venait d'une famille de Kohen. Par exemple, une jeune fille Cohen qui mange de la terouma chez ses parents, elle a une relation avec un mamzer et toute la liste d'interdits qu'on avait cités, elle devient interdite de manger de la terouma chez ses parents. Et pareil, elle ne pourra plus se marier avec un Cohen. Elle a un statut qui l'interdit de se marier avec un Cohen. Donc là, on était en train de regarder dans les psukim d'où on apprenait cette halakha-là. Donc on avait rapporté, on avait eu un petit développement sur ça. Et en cours de route, on avait rapporté et on a voulu faire une différence entre... Peut-être que c'est seulement quand c'est un pasoul comme on les a cités, comme un mamzer, etc. Mais par exemple... Par exemple, si c'est un goy, une relation d'une femme avec un goy, alors ça ne poserait pas de problème, parce que là, une relation d'une femme avec un goy, on sait très bien qu'avec un goy, le mariage n'est jamais validé. Donc, comme dans le passé, il y avait un terme qui nous fait comprendre qu'il fallait que ce soit un mariage qui est quand même validé, interdit mais validé, donc peut-être qu'un goy où il n'y a pas du tout de mariage validé, peut-être que ça ne rendrait pas la femme inapte à manger de la terouma, et on avait rapporté un pasouk qui incluait la femme qui aurait eu une relation avec un goy, et elle aussi, elle devient interdite à de la terouma et interdite au Kohen. Ensuite, on avait dit que donc la raison pour laquelle on avait besoin d'un pasouk qui nous inclut le goy, c'était parce qu'on avait dit que il y avait marqué le terme de kitiyé. Kitiyé, c'est-à-dire que les kiddushin, tiyé, c'est-à-dire une femme qui a été avec un homme, qui tiyé, donc l'état de le fait d'être avec un homme, le fait qu'il y a marqué ce terme de qui tiyé, ça veut dire qu'elle est mariée, même un homme avec lequel cette femme là elle est mariée. Donc c'est pour nous dire que c'est pas uniquement une relation de qui est de l'ordre du karet. On sait que normalement une relation sur laquelle il y a une punition de karet, les kiddushin ne sont pas validés, mais même une relation qui est que un lav où les kiddushin sont quand même validés, malgré toute cette relation interdite, va rendre la femme Psula à la Keuna. Et maintenant la Gemara elle va essayer de s'interroger d'après Rabbi Akiva qu'on avait déjà vu dans les prakim précédents. Rabbi Akiva lui il pense que même les Issure Lavim, les Kiddushin ne sont pas validés. Par exemple un Mamzer, où c'est pas Chayav Karet, une femme qui irait avec un Mamzer, c'est pas Chayav Karet, il y a un lave, mais c'est pas Chayav Karet. Même dans un cas où c'est un lave, d'accord, lui Rabbi Akiva il pense que les Kiddushin ne sont pas validés. Alors que la Halakha, on avait déjà dit qu'une personne qui se marie avec un Mamzer, bien entendu, il faudra qu'elle divorce, mais en tout cas, le mariage, il est validé. Ça veut dire que pour se séparer de ce mari-là, il faudra un guet. Sinon, elle est encore mariée avec ce mari-là. Pourquoi? Parce que c'est qu'un lave. Alors que Rabbi Akiva lui pense que non, même quand c'est qu'un lave, les kiddushin ne sont pas validés. Donc à partir de là, si même quand il y a un lave, les kiddushin ne sont pas validés, donc finalement, pour lui, on n'a pas besoin d'un passe-pouc en plus pour nous inclure le goy. Puisque le goy, lui, c'est quoi sa particularité par rapport à un autre? C'est que les kiddushin ne sont pas validés. Pour Rabbi Akiva, jamais les kiddushin ne sont validés avec une personne interdite. Donc on veut comprendre maintenant le passage qu'on avait rapporté pour inclure le goy. Qu'est-ce que Rabbi Akiva va en faire, vu que pour lui, c'est pas nécessaire? Puisque d'après lui, on comprenait que l'interdiction, ce qui rendait une femme inapte à la kiwula, c'était pas le mariage avec une personne interdite, ou d'aller avec une personne qui potentiellement peut se marier avec elle, mais c'est simplement le fait d'avoir une relation avec une personne interdite, et donc incluant aussi bien les chayav et karet, que les chayav et lavim, que les goyim ou les avadim. Donc il n'y aura pas de guette pour lui, non? Pour lui, il n'y aura pas de guette. Pour lui, donc, Rabbi Akiva, il n'y aura jamais besoin de guette puisque les kiddushim ne sont pas validés. Donc là, je remets un petit peu dans le contexte. Donc là, on en est où le Rabbi Akiva? Il y a un petit point dans ma Gemara ici. Donc à peu près une dizaine de lignes, 12-13 lignes après le début du Hamoud. Où le Rabbi Akiva, de Amar, en kiddushin tofsin bechiyuvei lavin. D'après Rabbi Akiva, qui considère que lui, les kiddushin ne sont pas tofsim, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas validés pour les relations qui ne sont que d'un niveau de chiyuvei lavin. Alors quand je dis que, c'est pour dire, c'est pas chayav karet, quoi, c'est chiyuvei lavin, d'accord? Donc d'après lui, umay kitiyé leisha, donc quand la Torah nous dit qu'une femme,
Kohenet, qui ira, qui tire, qui sera avec un autre homme, là on ne parle pas de fait, le fait d'aller avec un homme avec qui on peut se marier, puisque d'après lui on ne peut jamais se marier avec personne, les kibushin ne sont jamais validés. Donc le mot kiti et leizar, c'est juste la relation qui est la relation interdite. Kiti ba'el, donc c'est pour une femme qui a une relation avec un goy, par exemple aussi, ou avec un ischriouvé lavin, ou avec un chriouvé karet. Kiti ba'el, donc finalement le mot almana ou grusha qui nous incluait le goy, comme on l'avait dit précédemment, la mali pour lui va en faire quoi? Sachant que nous on l'avait utilisé avant pour inclure le goy, d'après lui pas besoin d'inclure le goy, puisque le goy il a un petit peu la même particularité que tous les autres interdits, que les kibushin ne sont pas validés. Alors nous dit la Gemara Almana le Achmir Alea ou Grusha le Akel Alea. Le mot Almana ou Grusha, on va apprendre deux halakhot. D'une part, Almana, c'est pour être Machmir sur elle, et Grusha, c'est pour être Mekel pour elle, donc elle est dans le sens de l'inverse, dans l'inverse de la Chumra. Pourquoi? Alors la Gemara va préciser. Tricha, je vais t'expliquer quelle est la nécessité de ces deux psukim là. Déjà, Shemuinan Almana, si on t'avait parlé seulement de l'Almana, donc vous rappelez, donc sur un contexte, on est toujours dans le fait qu'une femme qui vient d'une famille de Kohanim, elle, tant qu'elle n'est pas mariée, elle peut manger ses parents. Quand elle est mariée avec un Israël, elle ne peut plus manger de la terouma. Quand elle va être divorcée de son mari Israël et qu'elle va retourner chez ses parents, elle pourra retourner à manger de la terouma, à part si elle a eu une relation avec quelqu'un qui l'a rendue psoula, par exemple, comme on avait cité la liste des personnes interdites. Donc d'après ça... Ou si elle a un enfant. Et si elle a un enfant, exactement. Ou alors si elle a un enfant, si même si combien même était mariée avec quelqu'un de cachère, mais qu'elle a eu un enfant, donc cet enfant-là, il la rattache avec la famille de son mari et il la détache complètement de sa famille à elle. Donc là, pour le point de l'enfant, c'est pas ça qu'on la Gemara traite ici, mais en tout cas, c'est vrai que c'était important de préciser ce détail. La Gemara maintenant nous dit que dans un cas où cette femme-là va retourner chez ses parents, donc elle n'avait pas d'enfant, il y a marqué que Almana ou Grusha, si jamais elle est partie avec un homme étranger, elle ne pourra plus manger de la terouma. Alors, Almana, comment c'est marqué dans le passage, je vous le dis tout de suite. C'était ici. Ubat Kohen Kiti Almana. Kiti Almana, voilà, le petit bête ici. Ubat Kohen Kiti Almana Grusha Vezera Enla. Donc, une Ubat Kohen qui, elle, soit elle a divorcé de son mari, ou soit elle est devenue veuve de son mari, donc elle retourne chez ses parents. Vezera Enla et elle n'a pas d'enfant. Elle, Veshaval Betavia, elle retournera chez ses parents, Kenouria, comme quand elle était jeune fille. Milechem Avia Torel, elle pourra manger du pain de son père, c'est-à-dire de la terouma. Par contre, un étranger ne pourra pas en manger de la terouma. Donc, il me semble de se passer que s'il avait des enfants, elle aurait pu bouffer. Elle peut plus. Pourquoi? Si elle avait des enfants. Si, là, on dit, elle n'a pas de zera, donc elle va. Donc, elle retourne chez ses parents. Donc, là, on parle d'une fille qui vient d'une famille de Cohen. Pas qui est mariée avec un Cohen. Elle est mariée avec un Israël. Okay. Donc, elle est Cohen de famille. Okay. Elle se marie avec un Israël. Elle divorce de son mari ou elle devient veuve. Elle retourne chez ses parents. On dit qu'elle peut manger la terouma parce qu'elle a pas d'enfants. Mais si elle avait des enfants, elle pourra pas manger la terouma. Donc maintenant, si elle était mariée avec un Cohen et qu'elle a des enfants, là, oui. Voilà, ça c'est dans le sens inverse exactement. Donc c'est toujours la même idée que l'enfant, il rattache la femme à la nouvelle famille, quoi. En tout cas, nous dit l'agma, le mot almana ou grusha, qu'est-ce qu'on en fait? Donc d'une part, c'est pour nous apprendre, almana vient nous apprendre une khumra et le mot grusha vient nous apprendre une kula. Quelle est la khumra et quelle est la kula ici? Alors, nous dit l'agma comme ça. Betzricha, j'ai besoin des deux choses. Deyashmoinan almana, parce que si on t'avait parlé que de almana dans le passé, qu'on t'avait dit qu'une femme qui devient veuve, elle retourne chez ses parents. T'aurais dit que quand elle devient veuve, almana, ou de qui leit la zera achla. C'est seulement la almana, elle qui, lorsqu'elle n'a pas d'enfant, elle pourra manger de la terouma. Mishum dechazia la keuna, parce que elle, maintenant finalement, elle est devenue que veuve. Donc potentiellement, elle pourrait se remarier plus tard dans sa vie avec un Kohen. Puisqu'elle n'est que veuve. La veuve n'est pas interdite au Kohen, c'est qu'elle est interdite qu'au Kohen Gadol. Donc vu que potentiellement elle peut se remarier avec se marier un Kohen, donc finalement elle n'est pas exclue de se marier avec un Kohen. Donc elle, c'est vrai que quand elle retourne chez ses parents, elle pourra manger de la terouma, parce que la keuna pour elle, c'est pas quelque chose qui est rayé de ses possibilités, quoi. Par contre, avala grusha, je me serais peut-être dit que la femme grusha, vu qu'elle est grillée à vie, donc même quand elle retourne chez ses parents, elle pourrait pas manger de la terouma. J'aurais pu me dire ça. Viens nous apprendre le pasouk que même la grusha, aussi, on aimait qu'elle avec elle, qu'elle pourra manger de la terouma, au moins quand elle n'a pas des enfants, malgré le fait que finalement, elle pourra plus jamais se marier avec un Kohen, puisqu'elle a été divorcée. Donc elle peut, mais en tout cas, de retourner chez ses parents, elle peut. Aval grusha de l'okhazia la keuna, Emma, falgav de leit la zera, je me serais peut-être dit que même si elle n'a pas d'enfant, l'oachla ne pourra pas manger de la terouma, sachant que, elle, maintenant, elle est devenue, inapte à la keuna, puisqu'elle est gerusha. D'accord? Si on t'avait parlé de la femme divorcée, on t'avait dit que la femme divorcée, elle, si jamais elle divorce de son mari Israël, elle retourne chez ses parents pour manger de la terouma. Je me serais peut-être dit que c'est seulement elle,
où il y a cette distinction entre elle a des enfants ou elle n'a pas des enfants, vu qu'elle n'est pas apte à retourner à se marier avec un Cohen, donc là on va faire une différence si elle a des enfants ou pas. Mais peut-être qu'une Almana où elle, finalement, elle est encore apte à se marier avec un Cohen, peut-être que même si elle avait des enfants, je me serais dit qu'elle peut manger de la terouma. La divorcée qui a la Cohen qui a des enfants, elle peut manger de la terouma ? La divorcée d'un Cohen qui a des enfants et qui vient d'une famille de Cohen ou qui vient pas d'une. Ah non, 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 ouais, bah oui, elle peut, okay, si elle a des enfants du Cohen, oui. Si elle a des enfants du Cohen. Donc elle a des enfants, elle est rattachée au Cohen. Ça veut dire elle mange grâce à son fils, comme on avait dit. Veillez Elite Beto grâce à son fils, elle peut manger. Si elle se remarie, alors du coup, là. Alors, dès qu'elle se remarie, c'est. Mais. Dès qu'elle se remarie, elle mange chez qui? Et c'est redivorce. Et si elle se remarie avec un Cohen, ce qui est. Ah oui, ah bah c'est pas possible. Non, mais si elle a fait un ritour. Bah là, finalement, là, c'est la relation interdite qu'elle a eue avec le Cohen, comme on avait vu, ça la rend pas saoule à toute terouma. Le fait de se marier dans une relation pas saoule, ça la rend inapte à manger la terouma. Même si elle mange la terouma chez qui? La Israël. Alors, comme on avait expliqué la dernière fois. Divorcée, par exemple. T'es veuve encore, on peut considérer. Elle peut manger chez tout le monde. Elle peut manger chez tout le monde. Pourquoi chez tout le monde? Non, mais qui la prend en charge? Ah, qui la prend en charge. C'est ça, qui la prend en charge. La question de prend en charge. Ça, bah, non, mais bien entendu. Qui va lui donner? Si dans la Ketouba, il y a de l'argent, bah, elle s'achètera de la Trouma avec l'argent qu'il y a dans la Ketouba. Si jamais, chez ses parents, ils veulent faire la manger, elle va manger ses parents. Non, elle n'a pas de parents. Ses parents ne sont pas Cohen. Dans quel cas? J'ai pas compris. Dans quel cas? Le cas d'une Israël qui divorce avec un Cohen. Qui a des enfants. Et qui a un enfant. D'accord. Et donc qui peut manger la Trouma. La question, c'est chez qui elle mange la Trouma? Puisque ses parents. Son fils. Elle peut manger son fils. Non, mais par exemple, ouais. Ça veut dire qu'elle, elle peut aller dans les champs. Elle dit voilà, j'ai un fils Cohen, ouais, donc j'ai la carte autorisée à manger. Ça peut s'acheter, ça peut s'acheter. Non. Un autre Cohen. Dans le Cohen, un autre. Mais à tarif Cohen. C'est-à-dire qu'elle peut même aller chez ses parents. Elle peut prendre la trouma chez ses parents. Non, mais là, il a dit un cas où elle n'est pas en Israël. Non, en Israël, tu dois donner la trouma. Elle va chez ses parents. Qui vont lui donner la trouma, elle. Non, mais les Cohen. Elle ira dans les champs. Elle peut recevoir la terouma. C'est-à-dire que si elle peut manger la terouma, elle est apte à recevoir. Ça veut dire que quelqu'un qui a un champ, qui dit voilà, je sais qu'elle, elle est divorcée, ou elle est en galère, elle est veuve, etc. Il lui donne. Carte trouma. Là, et même qu'elle risque d'être prioritaire, tu vois, arriver à un Cohen, femme qui a rien, et à un Cohen qui a ceux. Ouais, c'est en plus. En tout cas, ouais. Donc, non, mais après, c'est vrai que dans les charges de maisonnote, ce qu'on appelle les maisonnotes de tous les jours, ça va être la ketouba, sa ketouba de son mari qui l'a divorcé ou quand elle est devenue veuve, peu importe, elle a sa ketouba qui est là, qui la prend en charge. Et s'il n'y a pas assez dans la ketouba, elle tombe sur le tibour. Hein, c'est le tibour qui s'occupe. Moi, je suis le fournisseur de son ex-mari. Maintenant, la Gemara nous dit que voilà, donc c'est pour ça qu'on avait besoin de nous préciser aussi bien l'Almana et la Groucha pour nous dire que dans tous les cas, ça dépend. Si jamais il y a des enfants, elle est rattachée à la nouvelle famille, elle peut plus manger de la terouma. Si jamais elle a pas d'enfants, et ben elle retourne chez ses parents qui sont des Kohanim, elle peut manger de la terouma là-bas, aussi bien une Almana qu'une Geroucha. C'est ce que j'ai dit la dernière phrase là que j'étais en train de lire. Viach Moinan Groucha, Groucha ou de qui est la Zera Lo Achla. Je me serais peut-être dit que c'est que la Groucha, elle, quand elle n'a pas d'enfants. Quand elle a des enfants, je veux dire qu'elle ne pourra plus manger chez ses parents, mais je me dis l'occasion de la kouna, puisqu'elle n'est plus apte à être mariée à un Cohen. Aval almana de chazal la kouna, Emma falgav de itlezera namitichol tricha. On a besoin de préciser que même l'almana ne croit pas que elle pourrait manger ses parents, même si elle a des enfants. Non, c'est seulement uniquement si elle n'a plus pas d'enfants que elle peut retourner manger chez ses parents. Les Kodashim ont dit non. Les Kodashim. Kradak, les Kodashim on avait dit non. On avait dit que quand elle retourne chez ses parents, elle retourne chez ses parents pour la terouma. Pas pour les Kodashim, pas pour les Chavé Meshav. Comment ça se fait qu'on a pas de Trumata Kodashim l'otochel. On fait comme on va dire un peu plus. En tout cas, nous dit la Gemara, Ve'ema on a qu'à dire, Niv'ala la Pasoula, Asmar Zir Grouchato. Est-ce qu'on va dire que, donc finalement, si on est resté, on a vu un raisonnement qui nous a dit que la femme, dès qu'elle a une relation avec un homme qui la rend Pasoul, c'est-à-dire une relation que la Torah interdit, donc dans un Kabaré, la femme elle devient Pasoula la Kiuna. Alors, nous disons, on devrait dire la même chose aussi. Une femme qui retourne avec son mari après le divorce. Bon, on avait dit que si c'est après le divorce, c'est qu'elle n'était pas remariée, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Mais si elle s'est remariée entre-temps, et après le divorce, on avait dit que c'était interdit. Ça, c'est une marzir grouchato, donc dans le cadre d'un iso. Voilà, est-ce que les kidushim sont kralim, encore une fois, sans entrer dans ça. Mais en tout cas, d'après ce qu'on vient de dire, si tu me dis que toute relation avec un pasoul, ça la rend pasoul. Pourquoi, sachant qu'on avait déjà vu ça un petit peu plus, on en avait parlé rapidement, en une ligne, il y a une vingtaine de dapim, qu'une femme qui
irait, retournera avec son mari. Alors c'est interdit parce que la femme, parce qu'elle s'est mariée. L'enfant n'est pas. Exactement, chavakour. C'est exactement ça la même idée. Chavakour, tu seras plus loin. C'est longtemps en plus. En tout cas, la Gemara elle dit que cette femme-là, elle peut manger de la terouma toujours. Donc la Gemara dit, mais pourtant voilà, elle a une relation avec un pasoul. D'après ce que tu viens de me dire, que toute relation avec un pasoul la rend inapte à manger de la terouma, pourquoi le fait que d'aller avec son ancien mari et qu'elle s'est remariée entre-temps, donc ça a l'intérêt d'avoir de retourner avec son ancien mari, pourquoi ça ne la rend pas pasoul à manger de la terouma? Alors nous dit la Gemara, ve'emani va la pasoula afmarzer kushato. On devrait dire ça, c'est un peu même le cas de celui qui se marie avec sa femme divorcée. Alors nous dit la Gemara, le ishzar amar chamana. La Torah elle a dit que ce qui est interdit, c'est seulement une femme qui irait avec un homme étranger. Nous on avait traduit étranger ici, c'était tous les pasoul, quoi. Manzer, halal, natin, etc. C'est ça, le mozar veut inclure les soulim. Amar chamana, mishzar etzla, celui qui est étranger à elle, maintenant c'est son ancien mari. Quand bien même la Torah va te l'interdire, mais il n'est pas étranger. Il n'est pas étranger à elle. Même si, mais, c'est un chidouche, c'est un chidouche, c'est une garde à Katou. Michezar, etzla, meikara, qui depuis le départ, il est zar pour elle. Tandis que elle, c'est vrai que maintenant, pour elle maintenant, je veux dire, à l'heure actuelle, il est comme un zar parce qu'elle a plus le droit de se remarier avec lui. Mais il y a eu un moment où elle n'était pas zar avec lui. Donc, finalement, ce cas-là, il est exclu. Et ce cas-là, même si c'est le cas de l'exception. Qu'une femme qui irait avec son ancien mari, alors que la Torah lui interdit puisqu'elle s'est mariée entre temps, elle ne sera pas rendue passible de manger la terouma. Donc c'est pas par son fils qu'elle mange la terouma. Elle est rentrée chez sa mère. Non, au contraire, elle a pas de fils. Là. Oui, si elle a un fils, elle pourrait pas manger de la terouma vu qu'elle est rentrée chez ses parents. Bon, d'accord, c'est ça. C'est une kohenette. C'est une kohenette de base, exactement. Forcément. Donc, ce que nous dit ici, Agma, la Pukehaï de l'Ozaret, la Meikara, ou. Alors, Agma dit, alors, pareil, t'as qu'à dire le halal. Yachi halal de l'Avzar ou Meikara, l'olive sol. Le halal, c'est quoi le cas du halal? Le cas du halal, c'est quelqu'un qui n'est pas aussi complètement étranger à cette femme de la Kohenet, puisque finalement, le halal, il peut se marier avec n'importe qui, même avec une Kohenet, il peut se marier. Le halal, lui, il n'a aucun problème, c'est juste ses filles qui pourront pas se marier avec des Kohenet. Ou les filles halalot qui pourront pas se marier avec des kohanim, mais lui, le halal, il est étranger avec personne. Donc, en quoi une femme qui irait avec un halal, alors que finalement il n'y a pas eu de psoul dans cette bia, pourquoi elle est exclue de pouvoir manger de la terouma? On dit la Gemara, Amar khal lo yichalel zaro be'amav. La Torah, elle a dit qu'on n'aura pas le droit de profaner, donc de rendre halal, sa descendance. Donc, finalement, ça veut dire quoi? Makish zaro lo, mahu posel. Avzar onami posel. Finalement, on dit que le halal, lui, il est comparé avec son zera, de la même façon que lui, il rend pas sous la mahu posel. C'est-à-dire que lui, ses enfants, finalement, ou, ouais, ses enfants, en gros, c'est ses enfants. Ses enfants vont être eux, Shuli Malakeuna. Donc lui aussi, non, c'est plutôt l'inverse. Mahu posel, avzar o posel. De la même façon que lui, il rend pas soul, pareil, son Zera rend pas soul. Ouais, lui, il peut pas travailler au Betamidash, automatiquement. Il peut, enfin, c'est dans ce sens-là qu'on le dit. Attends, tu comprends, je vérifie dans Rachis, c'est ça qu'on veut dire. Non, ça veut dire, non, là, ce qu'on veut dire ici, ce qu'il dit ici, c'est par rapport à un Kohen Gadol, ça que j'avais loupé comme. Par rapport au Kohen Gadol, le halal qui va avec. Le Kohen Gadol qui va avec une almana, par exemple, il y a marqué Loïr Khalel Zaro. Sur ce passage-là, le Kohen Gadol qui ira avec une femme veuve, il y a marqué qu'il ne devra pas profaner son Zera. Et on dit que de la même façon que lui, il rend pas soul la almana, le Kohen Gadol rend pas soul la almana en allant avec elle. Donc pareil, son Zera, donc le Khalal, lui aussi sera quelqu'un qui rendra pas soul n'importe qui dès qu'il aura une relation avec elle. Voilà, c'est juste ça, on apprend du Kohen Gadol, puisque le Kohen Gadol, lui, quand il est parti avec sa mère, bah, il a donné résultat des psoul la terouma, puisque cette femme-là, Almana, maintenant, ne peut plus manger la terouma, quand même, elle vient d'une famille Kohanim. Pareil, ses enfants aussi, ils ne pourront pas, dès qu'ils auront une relation avec une femme qui est Kohenet, et ben aussi, ils la rendront pas soul de manger de la terouma. Et lui, il est pas halal, non. Et qui est le Kohen? Non, le Kohen, non. Non. Le Kohen Gadol, quoi, le Kohen Gadol qui était avec une Almana? Lui, non. Lui, il reste pas halal. Il peut continuer à manger sa descendance, non? Sans sa descendance. Et ça compagne son épouse. Et son épouse, l'almana, quoi, la fameuse almana,
Elle est devenue Psoula la Kéouna. C'est ça. Psoula la Trouma, quoi. Et lui, il peut continuer à manger. Il n'y a que lui qui peut continuer. Lui, il peut continuer à manger. Personne. C'était à cause de lui, mais au niveau de la sémantique. Au niveau de la sémantique. Normalement, au niveau des mots. Quand on dit Kohen Halal, c'est, pour moi, j'ai toujours pensé que c'était l'enfant résultant de l'union. Bah, c'est ça. Ouais, comme, en vérité, le Kohen, quand il s'est marié avec une Groucha, lui, on l'appelle pas Kohen Halal, c'est God qu'on appelle. C'est un peu plein. Ah, d'accord. C'est ça, exactement. Okay. Lui, il continue. Lui, il continue, ouais. Alors, maintenant, Diagma. Ve'ema, on a qu'à dire, on avait vu dans les chroniques Birkat Kohanim que lui ne peut plus monter sur Birkat Kohanim quand même. Bon. Ouais. Bah, quand même. On ne fait pas monter Rishon HaKohen, il perd tous les avantages de la Kehuna avec Kiddush Tot qu'on lui donne en premier, etc. Le fait, tant qu'il n'a pas divorcé et qu'il n'a pas fait une joie, tant qu'il n'a pas fait une joie devant Rabbi, qu'il veut qu'il a divorcé cette femme-là et qu'il reste plus avec elle. Il continue le service. Il s'agit d'un mariage ou c'est dans Minatora, il pourrait, mais c'est juste les Khamim qui ont mis des barrières pour lui mettre la pression pour qu'il reste pas dans cette situation-là. Minatora, il a aucun problème de continuer tout ce qu'il faisait avant. Ouais, c'est Alfred, alors en tout cas, ouais. Est-ce qu'il s'est marié avec cette femme ou il est juste allé avec elle? Même s'il est juste allé avec elle. Non, mais dans ce cas-là, il perd. S'il y a des enfants, il perd la Kehuna. Bah, lui non, oui, c'est pas évident, lui, de ce qui est écrit. C'est-à-dire, je m'en prie. Et si lui, il va avec une femme. S'il s'est marié avec une femme, le Kohen Gadol qui est une divorcée, on l'a dit, voilà, par exemple, bon, bah là, il perd tout. Mais maintenant. Qui perd tous les enfants? Non, le Kohen Gadol, les enfants évidemment, mais le Kohen Gadol aussi. Le Kohen Gadol n'a pas le droit, il n'a pas le droit de faire donc ça. C'est terminé. Mais non, il a juste été avec elle, donc il est quand même là, il a été juste avec elle. Il ne perd pas, on vient de dire. Non, 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 c'est pas qu'il perd, c'est-à-dire que ses enfants sont pas à lui, mais il n'a pas le droit de faire ça. Il continue à manger la tourma, c'est ce qu'on a dit. Oui, il continue, c'est ça. Ça veut dire qu'il n'a rien perdu. Il n'a rien perdu, mais même s'il se marie. Il y a une différence entre le fait d'être allé simplement ou de se marier. Non, même quand il se marie, il ne perd pas. Il ne perd pas. Même quand il se marie, il ne perd pas. Lui-même ne perd pas son statut de Kohen Gadol de dire qu'on va lui le fait qu'il est en train de faire un réseau. Il se marie avec une femme interdite et il garde son statut de Kohen Gadol. Voilà, mais on va pas le laisser faire et c'est sûr que c'est pas le meilleur des scénarios, mais ouais. C'est Minatora, les Rachamim, ils ont mis des. Voilà, exactement. C'est incroyable. En tout cas, ce que nous dit l'agma ici, elle continue, elle nous dit « Ve'ema mishalat avaya ». Alors, en fait, c'est ça, c'est l'agma. L'agma, un petit peu, elle rentre dans ce problème-là. Est-ce que c'est mariage ou fiançailles ou juste relation? L'agma dit « Ve'ema mishalat avaya d'oumiyade kohen gadol be'almana ». Ve'ema mishalat avaya, on n'a qu'à dire depuis le moment de la havaya. Alors, avaya, ça veut dire depuis l'état d'être de vivre ensemble. C'est-à-dire depuis, de vivre ensemble, d'être lié ensemble. Depuis les Kiddushin. On n'a qu'à dire depuis. Et Mamisha Tavaya, pourquoi nous on dit que c'est la relation qui rend problématique? On n'a qu'à dire que ce qui va te prendre problématique, c'est la Havaya, c'est le fait d'être marié ensemble, puisqu'il y a marqué Kitiye les Ishzar. Lorsqu'elle sera avec un homme étranger, elle ne pourra plus manger la trouma de chez ses parents. Donc il y a bien marqué le mot Kitiye. Donc Kitiye, c'est-à-dire c'est un mariage. Kiddushin, Baïta, Baïta, Baïta. Viasta, Baïta et les Chachar. Continue, Vitiye. Toujours la Havaya, ça veut dire Kiddushin. Maintenant, la Gemara te dit, Vema Misha Tavaya, Doumia de Kohen Gadol, Balmana. Ma Kohen Gadol, Balmana, Bebia. Af ayn ami bebia. En fait, on compare ça au Kohen Gadol. Et dans le Kohen Gadol, on sait que l'interdiction, comme on l'avait expliqué, que c'est indépendamment du mariage. C'est dès qu'il y a un zera pasoul, il y a un halal. C'est pas le mariage qui va entraîner que le zera, la descendance qui va naître, va être pasoul ou pas. C'est la descendance elle-même qui va être pasoul. Donc, indépendamment du mariage. Je le dis parce qu'il y a le pasoul, c'est le halal. Exactement. Donc la comparaison avec le Kohen Gadol fait que Mekish le Kohen Gadol, et donc de la même façon que le Kohen Gadol, on sait très bien que ça dépend pas du mariage, ça rend pas soul directement par la Bia. Pareil aussi, tous les psoulim qu'on a vu, combien même il marque le mot Avaya, le mot Aïta qui veut dire Kiddushin, ça dépend pas des Kiddushin. La simple relation, elle rend déjà cette femme-là psoula. Donc maintenant on nous dit la Gemara, Afa Inami Bia. Alors Ema Adeika Avaya ou Bia? Doumia de Kohen Gadol be Almana. L'agma se pose la question, dit, tu pourrais peut-être dire qu'il faut qu'il y ait Ekidushin et Bia. Parce que tu dis qu'il y a marqué quelque part la comparaison avec le Kohen Gadol, que la Bia en soi elle repose problématique. Mais d'un autre côté, aussi, il y a marqué le mot Avaya. Peut-être qu'il faut les deux, et l'Ekidushin et la Bia. On nous dit l'agma. Non. Kidushin sans Bia. Kidushin sans Bia. Ça pourrait être bon. Ça pourrait être bon. C'est bon, c'est ça. C'est, non, mais. Kiddushin sans Bia, c'est bon. C'est la Bia qui est déterminante. Donc Kiddushin sans Bia. Exactement. Donc là, on te dit ici que.
Pourquoi on ne dit pas Kiddushin et Bia? Ve'ema Adeika Avaya Obia. Adoumé le Kohen Gadol Balmana. Ma Kohen Gadol Balmana. Bebia le Kouda. Afainami Bebia le Kouda. Donc on compare ça encore une fois avec le Kohen Gadol avec l'Almana. Où c'est uniquement la Bia qui rend. La Bia uniquement. C'est uniquement la Bia qui rend pas soul et pas autre chose. Pas besoin de Kiddushin. Et l'équipe Shin tout seul ne pose pas de problème. Enfin, ne pose pas de problème. Ne rend pas soul de la femme. Là, ce qui rend pas soul de la femme, ce qui rend. Qui profane la femme, c'est la Bia. Très bien. Maintenant, on avait vu dans la Braïta, pour revenir c'est, à ça. C'est juste, c'est une Kiddushin, il n'y a pas de problème, quoi. La divorce, elle n'est pas passoule, quoi. Elle n'est pas passoule, parce qu'elle n'a pas été profanée, comme on avait dit. On avait vu que Mina Yerushin, c'était pas possible. Mais elle est considérée comme divorcée. On avait vu qu'en Yehuda, à part en Yehuda, ou. Ah oui, après, après, elle va être avec une communauté. Mais par contre, elle rentre chez ses parents, elle peut manger de la terouma. Voilà, c'était sur ça par rapport à lui. Si c'est une connaître. Si c'est une connaître, bien sûr. Alors, deuxième, on avait vu dans la Braïta hier, on avait cité une Braïta où on avait vu trois avis qu'on a dit que la Gemara allait les expliquer. L'avis de Rabbi Yossi, de Rabbi Shimon Ben Gamliel. On avait parlé, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Ben Gamliel, ils avaient un petit peu répété la même chose, mais avec une petite formule un petit peu différente. Et on avait dit que la Gemara allait devoir expliquer qu'est-ce qu'il vient rajouter. Parce que lui, il dit comme ça, Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, Omer, Kol Shezaro Pasoul, Posel. Kol Shezaro Pasoul, Eno Posel. C'est qui c'est qui va, quelle relation interdite va rendre la femme sous la Terouma? C'est celui que Zaro Pasoul. Celui qui a sa descendance qui est Pasoul. Parce que lui, il est Pasoul et sa descendance, elle est Pasoul. Alors lui, il rendra Pasoul la femme. Kol chez Zaro Pasoul, Posel. Kol chez Enzaro Pasoul et non Posel. Donc qu'est-ce qu'il vient rajouter sur la liste que Tanakama avait citée? Sachant que Tanakama, il avait cité une liste, si on répète la liste de Tanakama, il avait dit Ger Amoni, Moavi, Mitzri, Adomi, Kuti, Natin, Halal, Mamzer. Tous ces, j'en ai trop 13 ou 8, je sais plus, 8, ces 8 cas-là, ils sont psoulim, d'accord? Donc lui, Rabbi Yossi, il te dit, il te donne genre une phrase comme un principe, est-ce qu'il vient rajouter, il vient enlever des cas, qu'est-ce qu'il vient dire, en plus Rabbi Yossi? Mais le cas qu'il a cité, Ethan, donc, c'est-à-dire le divorcé qui se remarie avec son, la femme divorcée qui se remarie avec son ex-mari. Ouais, l'enfant n'est pas passoul. L'enfant n'est pas passoul. Ça, donc, c'est dans ce cas-là. Il rentre pas dans ce cas-là. Et ce qu'on avait dit, que même elle peut manger de la terouma chez ses parents, ça. Elle sort. Ouais, exactement. Donc, maintenant. Conclusion. Donc, un Kohen, il fait des kiddushim avec une femme, et il se divorce d'elle avant le mariage. Elle est apte à reprendre la terouma. D'accord? Exactement. Tant qu'elle n'a pas été. Non, elle a été divorcée de base. Non. Elle s'est mariée avec Kiddushin. Elle s'est arrêtée au stade Kiddushin, donc il n'y a pas eu de Bia. Maintenant, il divorce, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas de semence, donc. Ouais. Alors, donc là, elle est apte à recevoir. Là, donc, c'est une espèce de. Non, oui, mais dans ce cas-là, même si elle a été avec son mari, là, dans ce cas-là, quel est le problème? Il n'y a pas eu de relation de passoul. Le problème commence quand il y a une relation de passoul. Elle s'est mariée avec Kakouen, elle a le droit de se marier avec Kakouen. Oui, mais on a dit que la divorcée, après, ne peut pas manger la terouma. Non, c'est une divorcée qui a été avec un Kohen. Elle devient pas soule parce qu'elle a eu une relation interdite avec le Kohen. Mais elle n'a pas eu. Mais elle, non, pas de relation interdite. Voilà, mais pas de relation interdite. Et elle vient de dire, là, c'est ça. Encore une fois, elle est divorcée de base quand elle se marie avec le Kohen. J'ai pas compris le cas. Non, si elle n'est pas divorcée, elle n'est pas divorcée. Au moment où elle se marie avec Kohen, elle a fait un mariage en bonnet du femme, il n'y a pas de problème. Yeah. Tout ce qui démarre ici, c'est quand il y a eu. Mais c'est vrai ce que vous dites là maintenant, que les kiddushin, c'est pas ça qui se pose un problème. Mais l'exemple. Une divorcée qui n'a pas d'enfant, elle peut pas remanger la terouma. Pourquoi pas? Bien sûr, elle peut manger de la terouma. Elle peut manger de la terouma si elle rentre, si elle est de famille de Kohen. De famille Kohen initialement. Donc si elle vient d'une famille de Kohanim et qu'elle a plus d'enfant de son mari, elle a pas eu d'enfant de son mari, etc., elle retourne chez ses parents. Ça c'est clair. Même si elle s'est mariée, qu'elle a eu une relation, etc., ça se pose pas un problème puisque elle n'a pas eu une relation interdite. Le problème va être quand il y a une relation interdite. Alors, qui douche-t-il sur quelque chose qui aurait donné sur une relation interdite? Relation interdite. Voilà, non, là, elle peut rentrer chez ses parents. Voilà, elle a fait qui douche-t-il avec elle, mais. Il n'y a pas eu de bia. Donc là. Exactement. Ça oui. Voilà. Ça oui. Maintenant, Rabbi aussi, lui, il avait dit que ça dépend si Zaro Pasoul possède, quand Zaro Pasoul est non possède. Maïka ben Tanakama Rabbi aussi, qu'est-ce que Tanakama vient rajouter sur Rabbi aussi? Qu'est-ce que Rabbi aussi et Tanakama ont de différent? Amar Rabbi Yochanan, Mitzri Sheni ve Adomi Sheni. Alors, on sait, dans la Torah, il y a différentes catégories d'interdiction envers les différents peuples. Il y a les peuples d'Israël, on sait que eux, c'est à vie. Maintenant, on sait qu'il y a Adomi et Mitzri, eux, trois générations. Donc, le Edomim, deuxième génération,
Lui, troisième génération, ils ont le droit de se marier avec qui est Rémi. Le Mitri et Adomi. C'est trois. Ouais. La troisième génération est autorisée. Ouais. Dans Shlishi ou Yavo Bikalachem. Ouais. C'est-à-dire que le troisième génération peut venir. Donc, le Dor Sheni, qui lui est pas saoul. Donc, si lui est avec une femme, qui vient d'une famille de Kohanim, et donc il va avec elle, d'après Tanakama, c'est une relation interdite, c'est un Edomi qui est interdit. Mais d'après Rabbi aussi, qui dit que ça va dépendre si son enfant lui-même est pas saoul. Ah, ouais. Donc, lui, d'après lui, c'est vrai qu'il y a une relation interdite, mais c'est une relation interdite qui va pas rendre pas saoul la femme à la Kehuna, puisque l'enfant de ce type-là, potentiellement. C'est la troisième génération. Lui, il est deuxième génération, l'enfant sera la troisième génération. Ouais, c'est ça. Il faut bien faire des enfants pour avoir deux enfants. Alors, ouais, entre Guérim où il y a des Narhon, c'est vrai. Ouais, entre Guérim. Sinon, tu. Ouais, c'est ça. Entre Mitri Sheni et Domi Sheni Kabinayu. Ou Shnem Lo Lamdou Alami Kohen Gadol, les deux ont appris ça encore une fois de Kohen Gadol. Tout est appris de Kohen Gadol de Almana. Tanakama lui pense que le point commun avec la Kohen Gadol de Almana, chez Biato, bah Avera. C'était la relation elle-même qui était interdite. Donc dès que la relation est interdite, c'est interdit. Donc pareil, avec le Edomi Sheni, ou le Mitri de deuxième génération, la relation est interdite. Donc ça rend pas saoul la femme. Ou pas saoul, Af Hainami, Possel. Rabbi aussi, il te dit non, comme le Kohen Gadol, ma Kohen Gadol chez Zaro, pas sous. Le Kohen Gadol, c'est quoi? Il y a marqué que lo yechalel Zaro, c'est sa descendance qui va être pas sous. Là aussi, il faut que ce soit quelqu'un qui a aussi sa descendance qui est pas sous. Or, lui, ce Mitri Sheni, sa descendance n'est pas sous. Chez Zaro, pas sous ou possède. Afkol, chez Zaro, pas sous, possède. La Pouke Mitri Sheni, des Enzaro, pas sous. Sa descendance n'est pas sous. Dirtiv, Bani, ma chère Yivaldou, Laem, Dor Shelishi, Yavolem, Mikalachem, la troisième génération peut rentrer et se marier avec des juifs. Ça, c'était l'avis de Rabbi aussi, donc on a compris que lui, il a voulu préciser et être en désaccord avec Tanakama sur le Edomi et sur le Mitri. Maintenant, Rashbag, il vient, il nous dit « Kol shi atanose bito, atanose almanato ». Il dit que pour pouvoir se marier avec cette... Enfin, lui, Rabbi Rashbag, lui, il te dit que ça dépend si tu peux te marier avec sa fille. A priori, on a l'impression que c'est presque comme Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il vient de rajouter. Si tu peux te marier avec sa fille, alors là, oui, si cette femme-là n'est pas... cette relation-là ne va pas rendre pas saoul. En quoi ça vient différent de Rabbi aussi finalement? Parce que Rabbi aussi parle du Zera. Donc pour l'autre, tu parles pas de Zera, tu parles de Fi. Quelle différence entre parler de la descendance ou de parler des enfants Fi? Quelle différence? C'est exactement la même chose. Maïka ben Rabbi aussi, Rabbi Shimon ben Gamliel. Maintenant, il y a une différence. C'est quoi? C'est le Amoni ou le Moavi. On sait que la Torah interdit à un Amoni, à un Moavi, de se marier, de se convertir, de se marier avec, avec une juive. Par contre, Amoni, vélo Amonite. Moavi, vélo Moavite. C'est ce qu'on va apprendre à Marula, David Amenar, exactement. Guerre Amoni ou Moavi, Ikabinayou. Shnem l'andoua elam, Ikoen Gadol, Be Almana. Les deux ont appris ça du Koen Gadol, Be Almana. Rabbi aussi, ça va. Ma Koen Gadol, Be Almana, Shesaro, Pasoul, Possel. Afkoa, Shesaro, Pasoul, Possel. D'après Tanakama, encore une fois, dès qu'il y a une relation interdite, c'est interdit. Tandis que Rashbag, ça va. Ma Koen Gadol, Be Almana, chez Kolzaro, Pasoul, Possel. Faut que tout Kolzaro soit Pasoul. Donc le Koen Gadol, dès qu'il a que soit un garçon ou une fille, c'est Pasoul. Tandis que le Amoni Moavi, la fille, elle, Alexia, Afkoa, Shesaro, Pasoul, Possel. La Pouke Amoni Moavi, de El Kolzaro, Pasoul, Damarmar, Amoni veut l'Amonite, Moavi veut l'Amonite. On sait très bien qu'il y a différence entre le garçon et les filles. Mmh. Pour l'Amonite, c'est ce qui nous rend autorisé le Mashiach et David Améler. Nouvelle Mishnah. Alors maintenant, nouvelle Mishnah. Toujours dans les relations interdites qui vont rendre Pasoul à la Terouma. Ha-Ones, le viol, va me fater. Ou alors la séduction, c'est-à-dire que hors mariage. C'est une ketana, hein. Mais non, non. Le pitou d'une ketana, c'est un ones. Mais le mefate, c'est sur une nara. Okay. Une nara. Va choter. Non, c'est pas Bogret, parce que Bogret est responsable de ses actes. On va dire que c'est pas. C'est, ça rentre dans un autre cadre. Mais en tout cas, mefate, c'est une nara. Elle est jeune, donc pas grande, mais elle n'est pas non plus une ketana. Okay. Ketana, quoi qu'il arrive, même si c'est du mefate, c'est un statut de ones. Parce que la Tana, elle est tellement. Mais Fatih, elle est d'accord, la meilleure. Fatih, c'est qu'elle est d'accord. D'accord. On dit que une Tana, même si elle est d'accord. Une Tana, même si elle est d'accord, ça s'appelle oui, Ronès. Parce qu'elle n'a pas de. Voilà. Alors, on dit Agmara a choté. Pareil aussi, le choté, donc c'est celui qui n'a pas de date. Donc lui, vu qu'il n'a pas de date, il ne peut pas se marier. Il n'a pas de kinyan. L'oposlin, velo maachilin. Si jamais. Donc on parle d'un choté, lui, qui est juif classique, hein, il n'a pas de problème. Maintenant, lui, l'oposel. Vélo, comment on dit l'oposlin, vélo machlin. Il n'y a pas de problème, ni ça rend pas saoul. Ça veut dire que, on sait très bien que normalement, si une femme cohénète de famille de Kohen se marie avec un Israël, elle ne peut plus manger ses parents. Mais là, avec un choté, ou honnête, mais fat, etc., tous ces cas-là, ça ne rend pas saoul. Elle peut continuer à manger ses parents parce qu'elle n'est pas mariée. C'est un choté. Ou alors, elle s'est fait violer. Elle ne s'est pas mariée, elle s'est fait violer. Elle est fat, c'était pas dans le cadre d'un mariage. Donc, tous ces cas-là, vu qu'il n'y a pas de mariage,
elle n'est plus liée, elle n'est pas liée avec cet amant-là, on va dire, parce que justement, elle n'est pas mariée avec lui, donc elle ne perd pas le droit de manger la terouma chez ses parents. Mais quand on parle de honnête, c'est la violée ou le violeur? C'est le violeur. Comment ça, le violeur qui a quelqu'un. Tu es violé. C'est ça qui se violait. Trois cas, c'est l'homme. Non. Honnête. Oui, le honnête, oui, bien sûr. L'homme, il est honnête, l'homme, il est préfaté, l'homme, il est chaud. Toujours l'homme, on parle de l'homme. L'opposlim, exactement. L'opposlim, ça veut dire que cette femme-là, elle peut continuer à manger la terouma chez ses parents. Velo ma achiline. Et pareil aussi, si jamais ces hommes-là sont kohanim, ben elle ne peut pas manger grâce à eux puisque elle n'est pas mariée avec eux, d'accord? Veim enam ra'uim lavo beYisrael. Par contre, si ces gens-là, honnêtes, méfatés ou chotés, ils étaient des psoulim, alors là, oui, comme on a expliqué, comme on va expliquer encore, c'est la bia qui la rend pas soul. Donc même, c'est pas, même si elle peut pas se marier avec eux, parce que le type il est choté, il a pas de date ou il est katan, etc. Donc dans ce cas-là, enam ra'uim lavo beYisrael, arelu poslim, ça la rend pas soul. Alors la Gemara va donner des exemples. La Mishnah va donner des exemples. Ketzad, arei shaya Israël, arei Israël, faut dire arei. Israël, Sheba, Albat Kohen. Un Israël qui va avec une Bat Kohen. Donc là, c'est un exemple simple de tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Tochal Bitrouma. Donc Israël, Sheba, Albat Kohen. Hors mariage. Elle peut continuer à manger la terouma vu qu'elle ne s'est pas mariée avec Israël. Tochal Bitrouma. Elle continue à manger la terouma. Elle n'a pas fait Znout. Ça s'appelle Znout. Une Beila Znout. Mais elle n'est pas mariée, donc elle est toujours liée à sa famille. Elle n'est pas reliée à un autre homme. Par contre, elle tombe enceinte de cette relation-là. Qui est hors mariage, Ibra, l'otochal bitrouma. Ça y est, elle peut plus manger de la terouma dès qu'elle est méouberette, ça y est. Elle perd la terouma de chez ses parents. Même si c'est un viol. Même si c'est un viol, même si c'est hors mariage, exactement. Maintenant, Nirtacha Oubar Bemaya, si le Oubar s'est coupé dans le ventre, c'est-à-dire qu'il y a avortement ou elle a perdu son bébé, d'accord, donc elle retourne chez ses parents. Elle retourne chez ses parents. Tochal, elle peut retourner chez ses parents. Et si le violeur, c'est un Kohen? Voilà, donc maintenant, Ariel Shaya Kohen, Sheba al Bat Israël. Donc, si le violeur c'est un Kohen, ou le Shoté c'est un Kohen, etc., l'autochal bitrouma, elle peut manger des troumas parce qu'elle n'est pas mariée avec lui. Elle a un enfant, elle est méouberette, elle peut toujours pas manger des troumas, c'est que quand elle est méouberette, pour l'instant, elle ne mange pas. Ibra, l'autochal. Il faut qu'elle ait un enfant. Bloqué de tous les maintenant, Yalda, c'est, par contre, si elle a un enfant, même si elle n'est pas mariée avec lui, Yalda, elle peut manger grâce à lui. C'est un fridouche. C'est-à-dire qu'un enfant hors mariage qui vient d'un Kohen, il lui donne le droit de manger la carte terouma. Et l'enfant, il a qu'une statue là, il est halal. Non, il n'est pas halal, c'est... Il est cachère, c'est un cas. Il peut s'en faire avec lui, là. Ouais, il n'est pas... Et c'est pas... finalement, elle est victime et elle perd tout ça. Il n'y a pas de lave, c'est pas une relation qui rend halal, ça. Il y avait un truc d'avortement avant ou pas? C'est un truc en 2015. Non, il y avait un truc. C'est qu'elle s'est violée. Bah on a vu Rabbi Chia, vous rappelez, oui, qui donnait qu'il y a des jumeaux, sa femme s'est cachée, elle s'est déguisée, ouais. il lui a donné un petit médicament, il a dit « Ah, si c'est que c'était toi, je t'aurais pas donné, tu m'aurais fait encore une petite série de jumeaux. » Pourquoi ils avaient dit ça? Mais finalement, elle est victime, non, mais elle perd tous ses droits. Pour un stérile, c'est pour un stérile, ça. C'est pas pour... Mais ouais, je pense qu'il avait, je pense qu'il faisait, sinon il faisait la méthode africaine, il rentrait le sable dans l'intérieur, et la hache à l'intérieur du ventre, et il coupait. Il était deux ans. Excuse-moi, donc elle est victime et elle perd ses droits. Bah, elle perd ses droits. Jusqu'à ce qu'elle. Voilà, exactement. Mais oui, c'est elle est victime et perd tous ses droits. Là, pour l'instant, l'exemple qu'on a pris, c'est qu'il y a un Kohen qui va avec une Bat Israël. Maintenant, Kohen avait. Non, on n'a pas encore parlé. Non, mais on n'a pas encore parlé. On n'a pas encore parlé d'histoire de. Non. Chien. Maintenant, voilà. Donc, ça, c'est. Là, on a parlé d'un cas de Kohen qui va avec une Bat Israël. Ou alors, Kohen Sheba al-Bat Israël, l'autre Bitrouma, Ibra, elle est enceinte, l'autochal, Yalda Tochal. Donc, Nimtsa Kocho Shel Ben, Gadol Michel Av. Donc, il se trouve, la Gemara dit, petite conclusion de ce qu'on voit, de ce qu'il en ressort de cette halakhot simple qu'on connaissait et qu'on vient de résumer. Nimtsa Kocho Shel Ben, Gadol Michel Av. La force du fils, elle est plus forte que la force du père. C'est-à-dire que celui qui a une relation, Kohen, le monsieur Kohen qui a une relation. Ben, pour l'instant, cette femme-là ne peut pas manger. Tandis que dès qu'elle va avoir un enfant, elle pourra manger grâce à l'enfant. Donc, la relation, le fils, il a plus de pouvoir de donner la terouma que le père. Okay. Un Eved, possède Mishum Bia, Veno possède Mishum Zera. Un Eved, donc ça, c'est un esclave, qui va avec une Kohenette, donc relation interdite. Il la rend pas soul de la terouma par la Bia
par la BIA. Ve'eno possède Mishum Zera. Par contre, il ne rendra pas Pasoul Mishum Zera. C'est-à-dire que si jamais la femme, alors regardez, c'est très, très, très intéressant, si jamais la femme, elle a un enfant du Eved, donc ah, une femme qui a été avec un Eved, violée, pas violée, peu importe, elle a été avec un Eved, elle ne peut plus manger la terouma chez ses parents. Maintenant, si jamais elle a eu un Zera, alors là. On est grillé aussi là. Alors voilà. Si, non, 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 encore une fois. Elle passe au Michel Zera, voilà, on va voir. Ça veut dire que si jamais. Non, je pense à la limite, c'est le contraire. Si elle a été avec le bébé dès qu'elle n'a pas eu un enfant. Ah voilà, non, ça c'est le cas très particulier. Non, c'est le cas particulier. En fait, c'est vrai que. Badaï, que si elle a, été, si elle a eu un enfant, pour survie. Ouais. Mais là, on parle que. Par contre. Il y aura un cas de figure, on va voir, c'est un cas très particulier, où elle a un petit-fils Eved, et ce petit-fils Eved ne va pas lui faire perdre ses droits de terouma. Exemple, elle va avec un type classique, kasher. Elle a une fille, ou un fils. Elle a un fils. Ce fils-là, bon, ça va être l'exemple, je vais dire, il va avec une chifra, il a un Eved. Le fils meurt. Elle ne peut plus manger chez ses parents tant qu'elle a encore un fils. Maintenant, elle n'a plus de fils puisque son fils est mort. Mmh. Ce qui lui reste, c'est le petit-fils Eved. Ce petit-fils Eved ne s'appelle pas une descendance pour elle, donc elle peut continuer à manger ses parents. Puisque le petit-fils Eved n'appelle. Le Eved n'est pas rattaché. Un Eved n'a pas d'enfant. Donc, un Eved, c'est une BMA. C'est une BMA. Mmh. Maximum, tu peux dire par Ben Bakar, comme on avait vu. C'est comme un par Ben Bakar. Mais il n'y a pas de lien de parenté. Un Eved, voilà. C'est l'enfant. C'est l'enfant. C'est l'enfant n'a pas. Voilà. Donc c'est. Alors, Aevet possède Mishum Bia Veno possède Mishum Zera. Qu'est-ce que ça donne l'exemple? Bat Israël à Cohen. Une Bat Israël qui s'est mariée avec un Cohen. Ou alors Bat Cohen l'Israël. Veyalda Emenu Ben. Elle a eu un enfant. Ve'alach Aben Ve'nirbash à la Shifra. Il est parti l'enfant. Il a fricoté avec une Shifra. Nirbash. C'est la chaîne de Rachid. Il s'est collé avec une Shifra. Ça, Rachid dit, c'est la chaîne de Gnaï pour dire que c'est une chose. Il a fait quelque chose de très. Méprisant, quoi, de très déshonorant, on va dire. Veyalda Emenu Ben, et elle a eu un enfant. Cet enfant-là, il a le statut de la Shifra. Il est Eved. Arézé Eved. Et pourquoi on ne dira pas que c'est qu'il a le statut de son père? Non, c'est la Shifra. Là, par contre, le statut de Eved de la voûte, il prend le statut de la mère. D'être un Eved. Un enfant d'un Eved, c'est un Eved. Donc, que ce soit une relation. Eved avec une Israël ou Shifra avec un Israël, quoi qu'il arrive, le marrant il sera Eved. Exactement. Là, on parle surtout dans le cas inverse. Mais là, on parle d'un cas où c'est le type Israël qui va avec une Shifra. L'enfant, il est Eved. Maintenant, Aïta M. Aviv bat Israël. Donc, bat Israël la Kohen. Si jamais sa grand-mère était une bat Israël qui était mariée avec un Kohen et qui peut manger de la terouma que grâce à son fils. Et maintenant, son fils meurt, il lui reste que le petit-fils qui est un Eved, elle perd son droit de manger la terouma. C'était le deuxième fin de clé de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bat Israël à Kohen, l'autre au Khalba terouma. Maintenant, Bat Kohen Israël, t'auras le Bat terouma. Et pareil, si elle était une Bat Kohenette, qui ne mangeait plus de la terouma que grâce à cause de son fils, maintenant il lui reste son petit-fils. Si c'était un petit-fils caché, elle n'aurait pas pu manger de la terouma. Mais vu que c'est un petit-fils qui est Eved, c'est pas son petit-fils, donc elle peut continuer à manger la terouma, je sais pas. C'est ça. Maintenant, Mamzer, Possel ou Mahim. Donc là, le Mamzer, lui, il est Epossel, donc c'est-à-dire une femme qui vit avec un Mamzer, elle ne peut plus manger de la terouma. Ou Mahim, mais par contre, le Mamzer peut donner le droit à manger de la terouma. Alors, c'est quoi le cas d'un Mamzer qui donne le droit à manger de la terouma? Parce que normalement, un Mamzer, c'est une relation interdite. Là, je me donne l'exemple, c'est un petit peu la même idée que le Eved. Une Bat Israël qui se marie avec un Cohen, ou une Bat Cohen qui se marie avec un Israël, qui a une fille. Là, c'est comme ça avec une fille. Mais Alda, il nous bat. Valcha bat venisset la Eved. Et cette femme-là, cette fille-là, elle s'est mariée avec un Eved. Alors, on est dans la mission après la vie qui pense que de se marier avec un goy ou avec un Eved, ça donne des mamzerim. Nous, on a vu que c'était une marloquette, qu'on ne tenait pas la lacha comme ça. On avait dit que la lacha, si ça ne donnait pas des mamzerim, mais la mission, elle pense comme la vie qui dit que ça donne des mamzerim. Okay. Donc là, elle va avec un Eved ou avec un goy, donc elle a un mamzer, d'après la mission, ici. Veyalda emena ben areze mamzer. Aïta emimo. Donc finalement, elle a un petit-fils qui est mamzer. Elle a une fille normale. Cette femme-là, Madame Cohen, elle a une fille normale. Cette fille-là, elle a été avec un Eved, enfant mamzer, donc elle a un petit-fils mamzer. Donc nous dit la Gemara, Aïta Emimo, Bat Israël, la Cohen. Si c'était une grand-mère, c'était une Bat Israël qui est mariée avec un Cohen et qui peut manger que grâce à sa fille, et que sa fille, elle meurt. Tochal Bat Terouma, elle peut manger grâce à son petit-fils mamzer. Donc on voit que le mamzer donne droit, donne le droit, non, si, il donne le droit, grâce à lui, elle pourra manger de la Terouma. Il n'est pas Eved. Il n'est pas Eved.
Non, il n'y a pas Evan. Alors, t'as raison. Alors, c'est vrai que je me suis rectifié à la pierre. C'est que, alors, t'as raison, que dans ce cas-là, c'est que. Que dans un cas où c'est la vie. Faut vérifier ce point-là, t'as raison. Ovet Kouchavi, dans le cas du Goy, prends l'exemple du Goy, par exemple, où d'après Stavila, ça rend en forme Mamzer, mais il n'est pas Evan. Il n'est pas Evan dans le cas d'un Evan. Il est Mamzer, par contre, ça son statut et son statut de Mamzer. En tout cas, ouais, donc c'est-à-dire le cas de le ski Yévet, c'est pas la Chifra. Vous vérifiez ça. En tout cas, nous dit la Mishnah que dans un cas pareil, grâce au Mamzer, on mange de la terouma. Donc le Mamzer, ok, il est Mamzer, mais c'est un enfant qui est là. Et donc c'est un Zera. Vu que c'est un Zera, donc elle est toujours attachée à la famille du Kohen, elle peut manger du Kohen. Si elle venait d'une famille de Kohenet, elle perd son droit de manger de la terouma, puisqu'elle a un petit-fils. Tout ça, c'est la même idée. Torah bat terouma, bat Kohen Israël, le Torah bat terouma, si c'est une bat Kohen qui se marie avec un Israël, elle perd son droit de terouma à cause de son petit-fils Mamzer. Maintenant, Kohen Gadol, le Kohen Gadol lui permet Mishu Posel. Des fois, le Kohen Gadol, il peut rendre pas sous là. Alors, c'est quoi l'histoire du Kohen Gadol? Alors, nous dit la Mishnah. Kohen Gadol permet Mishu Posel. C'est-à-dire que si c'est une bat Kohen, on va voir, un Kohen Gadol qui se marie avec une bat Kohen, des fois, il peut la rendre Pasoul la Keuna. Comment? La Gmal te donne un exemple. La Mishnah te donne un exemple. Kohen Gadol permet Mishu Posel. Ketzad. Bat Kohen, les Israël. Une bat Kohen qui se marie avec un Israël. Ve'alda Emenu Bat. Elle a une fille. Donc cette fille-là, elle est parfaite, il n'y a aucun problème. Bat Kohen, l'Israël. C'est une Israël, ok, mais c'est très bien. Ve'alcha Bat, Ve'nisset la Kohen. Cette fille-là, elle se marie avec un Kohen. Donc elle a sa mère, elle est Kohenette de base. Et elle se marie aussi avec un Kohen. Ve'alda Emena Ben. Elle a eu un fils. Ce fils, il peut être Kohen Gadol. Arezer, Uliot Kohen Gadol. Omed ou Mesham, Meshach, Mabisber. Il peut être un Kohen Gadol qui va servir sur Misber. Mais malgré tout, cet enfant-là, Ma'achil et Imo, ils peuvent donner le droit à sa mère de manger de la terouma. Ou Posel, M. Imo. Par contre, il va disqualifier sa grand-mère de manger de la terouma. Sa grand-mère, elle est mariée avec un Israël. Elle est Kohenette de la maison. Kohenette de la maison. Elle peut manger que si elle a pas d'enfant. D'accord. Donc maintenant, elle a ce petit-fils qui est Kohen Gadol. Donc le petit-fils Kohen Gadol, genre le summum de la Keuna, va l'empêcher à cause de lui, elle ne peut plus manger de la terouma. Parce que elle, c'était une famille, jeune fille Kohenette qui se met avec un Israël. Ils ont eu une fille. Cette fille-là qui s'est mariée avec un Kohen. Ils ont eu un fils. Ce fils-là, il est nommé Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, qui est le summum de la Keuna, à cause de lui, maintenant, on est grillé et la grand-mère ne peut plus manger de la terouma. C'est-à-dire qu'on parle d'un cas, bien entendu, où la fille, elle est morte. Donc, c'est-à-dire, c'est que grâce à cause de ce Kohen Gadol-là qu'elle ne mange plus, qu'elle ne fait pas la terouma. Arrivera au lieu de Kohen Gadol, le Mayou Meshamesh, Agam Esbear, Machil et Imo, ou Posel et Imo. Grâce à lui, sa mère, elle pourrait manger si elle est encore vivante. Et à cause de lui, si sa mère est morte, ça disqualifie la grand-mère de manger la terouma de chez ses parents. Ou Posel et Imo. D'autre mérite, Lokibni Kohen Gadol, si vous posez l'anime de terouma. C'est-à-dire, la Mishnah, elle donne une expression, elle te dit que je ne veux pas, Lokibni, c'est-à-dire. Shelo Yirbu Kamoto Be Israël, des petits enfants Kohen. Quand bien même ils sont Kohen Gadol, à cause de lui, je suis grillé de pouvoir manger la terouma. Bon, je suis juste une pour dire que, bon, quelque part, il a le statut dans du Ham Israël qui est le plus respectable, mais d'un autre côté, ça va la griller au niveau de la terouma. Et puisqu'il a eu des enfants au départ. Oui, ses enfants eux-mêmes, oui, mais s'ils sont morts. Ces enfants-là, ils sont morts. Donc, elle, les enfants qui meurent, elle pourrait manger potentiellement de la terouma. Mais là, comme elle a un petit-fils, donc le petit-fils l'a pris. Quand même, c'est le petit-fils, il est Kohen Gadol. Maintenant, juste ça, on termine. Tanina la Danoura Banan, Shoté, cette Mishnah-là qui nous a parlé du Shoté au départ, ça confirme la Braïta qui nous a dit que le Shoté est Katan Shinisu, Shinas Unashim, le Shoté, le Katan qui se marie avec des femmes, ou Metu, Neshotem, Pturot, Mina Khalitsa, les femmes sont Pturot de la Khalitsa, puisque le mariage avec un Shoté n'est pas validé. Ou Mina Yibou, ni Khalitsa, ni Yibou, puisque le mariage n'est pas validé. Peut-être qu'on reprend demain, peut-être reposer la suite. On a un petit moment.